d'agriculture est la clé de voûte du territoire. Je crois que cette expression est en soi très révélatrice. C'est l'agriculture qui tient effectivement cette forme d'équilibre qu'a le territoire entre les espaces naturels, les espaces forestiers, les espaces construits. Il y a plusieurs priorités qui ont été inscrites dans notre nouvelle charte qui devrait démarrer en 2023. Nous avons convenu, dans le cadre de cette nouvelle charte, donc pour les 15 années qui viennent, d'inscrire comme objectif la préservation totale du foncier agricole, c'est-à-dire le refus de consommation du foncier agricole sur le territoire du parc. La concurrence sur le foncier agricole, c'est le développement pavillonnaire, qui est un nouveau mode de construction et d'habitation de l'homme, qui, de toute évidence, entraîne un étalement dit urbain. Forcément, on va plutôt construire des zones agricoles que des zones naturelles, puisqu'elles sont très souvent sanctuarisées. Une fois que le foncier agricole est artificialisé, il reviendra difficilement ou pas en arrière, tout simplement. À mon sens, il y a autant de particularités que d'endroits sur cette planète, hein, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. D'endroits parce qu'il y a une pédagogie différente, une histoire agricole différente, des gens qui ont des cultures différentes, des populations différentes, enfin bon, tout est différent. Ce qui veut dire que comment faire dans un premier temps, c'est s'asseoir et réfléchir au problème globalement. Sur le plan pratique, en fait, on a beaucoup de propriétés qui sont, j'allais dire, stérilisées. Alors, ce n'est pas forcément de la friche, mais qui, en tous les cas, ne sont pas du tout exploitées sur le plan agricole comme elles le feraient. Il y en a une partie qui sont vraiment des vraies friches, mais il y en a d'autres où les propriétaires espèrent qu'un jour, leurs enfants, petits-enfants, pourront construire une petite maison. Et du coup, ces terres ne vivent plus comme elles devraient vivre. Travailler sur nos problématiques de terres agricoles et en particulier un enjeu très très important qui est la création d'une ZAP, zone agricole protégée. L'objectif est de redynamiser toutes nos terres agricoles qui, les années passant, ont été beaucoup mitées par le développement de l'urbanisme. À Sénas, depuis 2 ans maintenant, nous sommes engagés dans la création d'une zone agricole protégée qui va venir recouvrir quasiment 100% de notre espace agricole. L'objectif pour nous, c'est avant tout de préserver notre espace agricole dès aujourd'hui et pour l'avenir. Ça permet de sacraliser sur le long terme ce qu'un PLU prévoit en zone agricole. La zone agricole protégée, elle va être aussi un outil pour lutter contre l'enfrichement, pour remembrer des parcelles et encourager ces installations de nouveaux exploitants. Il ne se passe pas un mois sans qu'on ait un, deux, trois agriculteurs qui viennent en mairie pour nous solliciter, pour leur trouver, pour les aider à trouver des terres pour s'installer. En préservant les terres, c'est une manière d'attirer cette population nouvelle d'agriculteurs. L'agriculture des Alpilles, c'est de la valeur ajoutée la plupart du temps. C'est donc des emplois directs sur les exploitations, chez les transformateurs, chez les OPA, hein, la banque, l'assurance, les fournisseurs de matériel, etc. Les solutions sont nombreuses. Hein. La France, depuis 200 ans, dans son droit moderne, construit des outils, donc il y en a pléthore, quoi, hein. Une ZAP ou n'importe quoi. Même si, enfin, si on l'applique comme ça, ex nihilo, sans un consensus politique local, les gens, ça va très bien attendre, même 20 ans, ce sont mes enfants qui en profiteront. Ça veut dire qu'un maire qui va dire je vais protéger un espace agricole, c'est un maire qui dit à ses administrés, je vais vous empêcher de récupérer une rente foncière qui peut être une fortune des fois. Le premier élément à mettre à réfléchir, c'est la légitimité de l'élu quand il parle de protéger la terre agricole et la légitimité de cette opération auprès des propriétaires qui sont électeurs. D'abord, il faut construire un consensus social et politique et qu'ensuite on trouvera les moyens de faire concrètement les choses. Cette démarche s'accompagne d'un plan d'action qui est aussi important, si j'ose dire. Effectivement, pour permettre aux propriétaires fonciers de prendre conscience qu'ils ont des zones agricoles, qu'elles doivent rester agricoles et à vocation agricole. Faites vivre vos terres, mettez-les en location sous quelque forme que vous le souhaitez auprès d'agriculteurs, vendez-les à des agriculteurs, mais en tous les cas, ne les gardez pas comme ça, stériles.